Bigot à 3 points loupé, rebond Diante qui lance Tyran. Balle en ligne de fond, 20 secondes à jouer sur la possession. 47-45. Qui prend le shoot à 3, c'est loupé. Dommage, ça touche le chrono des 24. Lorient 47-45, ça verra à la main. Jeanne Bigot. 6 secondes à jouer, remise en jeu. Lorient. Samaké, la pénétration, loupé, ça ressort, remonte à Iran. Lanté, sort mon arme. Tyran qui va jouer. 2 points Tyran sous le cercle devant Bigot. Saunera Diante. Faute de Darnell au départ. Deuxième faute, entrée de Julien à la place de Tyran. Côté faute, on a Tyran à 2 fautes. Et Ahmed, on s'est planté qu'à 2 fautes. L'arbitre donne le ballon au bleu, je pense que s'il ne le donnait pas, il y avait faute. Ah, il s'est trompé. Il redonne le ballon au blanc, pas de faute, rien. 47-47. La sanction rectifiée par l'arbitre, on redonne la balle. Oui, ça a fonctionné, il y avait un souci de réseau à l'endroit où on était. 14 secondes. Saunera qui cherche. Il sort pour Brown. Ça ressort. Rebond Diante. Darnell. 14 secondes. Remise en jeu au fond. Ahmed, Julien, Darnell, Glenn et Diante. Faute. Et là, les deux joueurs se tiennent la jambe. Ça a l'air d'être un peu plus grave pour Glenn que l'orienté. Glenn est au sol. Fabien va prendre sa place. Au passage, il y a une faute. Numéro
de Glenn. Glenn étant sur le shoot, c'est Fabien qui va shooter. 5 minutes pile poil à jouer dans ce troisième quart, 47-47. Un sur un, 47-48. Deux sur deux. L'Argenton sur Bigot. Bigot va chercher le shoot sur Ahmed. C'est sorti, rebond Julien. Diante à la balle, on remonte. De Darnell, la viande spéciale, coupé, hop, balle à nous. Remise fond, Diante, Fabien annonce, 1, ça sort pour Ahmed. Darnell a 3 points tout seul, il ne prend pas. 10 secondes. Cette fois-ci, il le prend. C'est le ressort. Rebond Brown. Hop, on laisse Samaké tout seul. Le contre derrière de Darnell. Appui de main, de jambes, pardon. 47-49, 4 minutes, 14 secondes. À la passe. L'Argenton, Saonera, on lui laisse son côté, c'est facile. Ça sort. On en profite. Fabien, tout seul à 3 points, il ne prend pas. Il va chercher. On ne marque pas d'Argenton, rebond qui lance la contre-attaque pour Saonera. Loupé encore une fois. Rebond Ahmed, contre-attaque. Il faut en profiter. L'Argenton, Julien, bien joué. Darnell, 2 points, bravo. 47-51, lucidité, 3-30. Ah oui, alors, c'est lui le score à l'écran. Temps pour moi, 47-51. Offensif, ça ressort pour Saonera, 3 points tout seul, ça ressort. Rebond Fabien, il est orienté, Crétin réussit, premier quart, le soin un peu moins. Remonté, Diante. Va provoquer, il y avait une faute d'Argenton, bien joué. Numéro 11 d'Argenton, deuxième faute. 47-51, 3-0-5 à jouer. Tamar Lorient. Américains qui sont alors les meilleurs scores de l'équipe. Brown, 12 points. Dante, 12 points. Il y a un duel de rebondeurs également, puisque Samaké et Bruno ont chacun 10 rebonds. Quatre fautes d'équipe pour Tours, 3 pour Lorient. On va mettre dans le corner.
Darnel, c'est compliqué. Julien, dessous, perd la balle. Bigot en contre-attaque. On a fait rentrer Pourceau. 2m22, je rappelle. Pourceau, Darnel. Il va prendre sa position. Bien joué, Darnel. 7 secondes à jouer. On laisse Bigot rentrer. Autant pour moi, Diante qui va sous le cerf, faute de D'Argenton qui se plaint. ...49-51... troisième faute pour D'Argenton. A noter que Lorient est une équipe qui joue à 7 joueurs. Validé 49-52, donc toutes les fautes sont importantes. Face à Julien, Julien qui fait faute. Forcément, quand on fait sur le terrain, il vaut mieux que les ballons passent par lui. De lancer pour Pourceau. De lancer franc, Vincent Pourceau. Non, malheureusement, la caméra ne peut pas aller au milieu, elle est beaucoup trop haute. Là-haut, vous n'auriez pas vu grand-chose. Pourceau loupé. Et malheureusement, le rebond offensif. 50-53. On offre encore une possibilité. Pourceau sur Julien et ressort sur Bigot. Ça fait gamelle comme tout à l'heure avec Ahmed. Ça touche les 24. 1-57, remise en jeu de tour. 3 points d'avance. Bruno rentre à la place de Darnel. On a Diante à la main. Dans les ailes, Ahmed Fabien. Bruno Julien à l'intérieur. Ahmed a 3 points dans le corner. C'est validé. Passe de Diante, 3 points. 50-56. Un stop sera important. Bigot, Fabien, l'écran. Forcément ça gêne. Hop. Allez, allez, on demande sur le saunier qui va chercher. Hop. On est loin. Marché de Brown. 50-56. Changement. L'orienté Samaké va remplacer Alexis D'Argenton, laisse sa place numéro 16. Baba Samaké, meilleur rebondeur de la partie. Trouver une solution, au moins pas lui donner des ballons à rattraper en attaque. Diante, écran posé de Bruno. On trouve Ahmed encore dans le corner. On ressort sur Diante. Fabien est tout seul. Diante à 3 points, c'était court. Rebond pour Chaud, c'est reparti. Bigot. Attention, il va chercher le coup. Une faute pour Fabien, il a dû perdre l'équilibre de lancer pour Samaké. Il reste 49 secondes. Fabien, c'est sa deuxième faute. Merci Michel. L'essentiel, c'est que les joueurs soient devant. 51-56. 52-56, 45 secondes. Il y a beaucoup moins de mouvements qui se présentent.
Rochaud. Rebond défensif. 30 secondes, on aura encore une fois la balle. Bigot qui est sur Julien. Il ressort, il trouve Courchaud dans la raquette. Allez, 17 secondes, 54-56. On sera devant. On va faire attention. 54-56, 10 secondes. Vianté. Écran posé par Julien. Vianté qui va la jouer. Et qui marque le 3 points. Pourquoi on arrête le temps ? Allez, 54-59, décidément. Il leur fait mal à la tête sur les buzzers. À la place d'Ahmed. Julien qui trouve Vianté qui a la main chaude. Ça ressort. Ami retrouve à 3 points à l'extérieur. 14 secondes. La prise de possession qui permet de faire une faute sur Samaké. Je rappelle qu'au match aller, 105-109, on a vu le premier quart, 7-10 à 3 points pour Lorient, ils sont capables de tout. Il faut faire extrêmement attention à tous les ballons, ne pas donner des munitions faciles. 54-59, Bruno n'a pas réussi à marquer, rebond pour Chaud, c'est reparti. Brown sort à Bigot, à 10 mètres, qui pénètre et qui trouve Brown. 56-59, attention, on met la pression sur Vianté, sur sa montée de balle. Vianté qui ressort, Giovanni. Transversal sur Fabien. On cherche Bruno, il y a du mouvement. De toute façon, c'est ce qu'il va falloir faire. Chaud, il ne peut pas suivre. Fabien à 3 points. Loupé, rebond. Bigot remonte. La salle va forcément s'enflammer au fur et à mesure. Bigot, Chaud à 3 points. Chopé derrière. Bigot qui force. Une planche, rebond Julien. 8 minutes 37. 56-59. Missionné qui fait la pression sur Dante. On temporise. On change. Bruno qui trouve Julien. La passe d'Aiz. Julien, 2 points face à Chaud. A fait bien enroulé. Hop. Interception d'Ami. 2 points Julien.
un peu confus. Temps mort, l'orienté. Bigot qui a défoncé le panneau publicitaire, mais un peu volontairement. 56-63, 7 points d'écart. 8 minutes à jouer. Pour l'heure, les Bleus sont dans leur registre. À 3 points de l'orienté. Ils sont repassés à 7 sur 24. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas remis un panier à 3 points du match après leur premier carton de fou à 7 sur 10. Détour en jaune, on est à 8. 8 sur 23, un pourcentage un petit peu meilleur. Malo l'orienté. Alors changement, Diante est sorti, Théo est rentré. On a donc Théo, Ami, Fabien, Bruno, Julien. Théo sur Missonnier. Samaké qui monte. Missonnier qui arrête son dribble, qui met en difficulté pour Chaud. Forcément, bien joué, bonne défense. Interception de Ami suite au contre d'une main que je n'ai pas vue. Théo annonce. 7-34. Hop, la balle perdue. Trop facile, c'est passe. Hop, on défend sur les tirs. Poussonnier qui transverse. Pour Chaud à 3 points. La consigne, c'est de laisser shooter. Vous ne pouvez pas faire grand chose sur ce tir. Faute de Julien en rebond sur Samaké. Une faute des deux côtés au niveau collectif. Julien, troisième faute d'équipe. Troisième faute personnelle, pardon. 56-63. 7 minutes 18. Système. Côté passe. Brown à la balle. Il trouve Bigot. Bigot va forcément tirer. C'est loupé. Théo à la balle. Il garde le ballon, mon gars. Missonnier qui lui met la pression. Il s'en sort bien. On trouve Fabien tout seul à 3 points, sa position. C'est dedans. Larcher, 3 points, passe décisive, Théo. 56-66, le plus gros écart du match. 10 points. TBM doit le faire sur ce match. Bigot qui rentre. Bon bloc de Bruno. Interception, Julien. Ami qui balance à Fabien, trop haut. Attention, c'est bête. Je vais perdre des ballons pareils. Les remplacements en basketball. Vincent Fourchon est remplacé par Ibrahim Saouira. Aujourd'hui. Hop, bien, bien joué, balle perdue. Bigot, ça a voulu transversal à Saonera qui est rentré, ballon perdu. On se rappelle que l'UTBM n'a pas gagné à l'extérieur depuis la performance à Chaland. Ce sera vraiment un gros coup de le faire. À l'aller, nous étions inclinés de 4 points. Théo. Assurez vos passes. On trouve Bruno à l'intérieur. Non, Brown défend. Quasiment le 5 l'orienté sur le banc, sur le terrain. Ami à 3 points sur la position. Au bon défensif. Bruno met tout le temps derrière. Bigot va shooter. Samaké face à Julien. On ressort. C'est loupé. Laissez le balle. 5 minutes 55, 10 points. C'est dans la tête, le temps écoule. C'est très bien. Théo qui marche. Changement de suite, Diante. Théo, Diante qui a soufflé 3 minutes.
c'est important. Passons à tour, retour numéro 6, Watkins. Pour l'instant, la salle est calme. Il me suffit d'un ou deux paniers à 3 points et forcément, on sait, comme à mon conseil, ça peut vite s'exciter. Hop, je me demandais si le pied n'était pas dehors. Rebond offensif, encore une fois, Bigot. Qui ne la donne pas à Brown. On redonne à Bigot. Qui force le tir. Décidément, Saunera, rebond offensif à 3 points. Et lui qui le marque. Et voilà ce qu'on a annoncé. ...59-66, il est là le danger. On ne doit pas se faire avoir sur des rebonds aussi longs. On met la pression sur Diante. Diante qui perd la balle à son tour. Hop. On ne prend pas le ballon. On laisse shooter encore Saunera. Gardez-moi cette balle, 4 minutes 55, 7 points. Hop, shiftons-lui la faute. Ami à 3 points. Donne sur Julien face à Samaké. Julien sur de lui. Ça ressort décidément. Les cercles. L'arbitre qui siffle faute de Bruno. Bon. On a vu pire. 4 minutes 40. Une faute à 2. C'est collectif. Un peu. Il y a toujours 7 points d'avance. Tout est dans la tête. On laisse Saunera. Bien joué Julien. Ami. On change pour Fabien à 3 points. Elle est importante. 3 points Fabien. Sur la passe d'Ami de l'autre côté. 59-69. 4 minutes 10. Saunera Diante, il va rechercher à pénétrer à l'intérieur. Julien qui le laisse venir, mais là, il fallait l'attaquer. Julien a eu peur de la passe. Diante. Bruno. Julien à son tour. Bien trouvé. Ça circule. Fabien à 3 points encore, ça va pas être dedans. Rebond défensif, 61-69, 8 points, 3 minutes 40. Oh, on se fait une faute à Diante. C'est sa troisième faute. Changement, Ahmed rentre à la place d'Ami. ...69-61, Saunera qui pénètre encore. 69-63. Saunera le danger en ce moment. Gardez-moi cette balle. 6 points. Non mais attention, 10 secondes. Rebond. Offensive de Julien, mais qui rebalance la balle alors qu'il aurait fallu la garder. Hop, marché de Brown. Posez-moi la balle. 3 minutes. Faut pas leur donner d'espoir. 63-69. 3 minutes 2. Au niveau des fautes d'équipe, une faute pour Lorient, 3 fautes pour Tours. Julien à la balle face à Samaké. Diante. On sort, ne t'enferme pas. Bien joué pour Julien qui va trouver Fabien à 3 points. Ça ne rentre plus. Brown, rebond long. En contre-attaque. Il a le ballon face à Fabien. On donne à Bigot qui est tout seul. Attention à lui. C'est Bruno qui s'en charge. Bigot va jouer pour lui. Il a les bras, Bruno. Provote là. Faute de Bruno, quatrième faute collective. Bruno, troisième faute personnelle. 63-69, 2 minutes 25. C'est important de stopper l'attaque.
qui chauffe le public. Le speaker, pardon, qui chauffe le public. Oh là, ça marche, bien sûr. -69, 2-23. Allez, 2 points seraient extrêmement les bienvenus. Ahmed qui monte le ballon. Face à Messonnier. Attention à lui, il en a déjà gagné 2 dans ce quart. Oh. Dante, son côté, qui ressort sur Ahmed. Il y est. 3 points à mettre sur la passe de Dante. Oh, qu'ils sont précieux ces 3 points. 63-72, 2 minutes 03. Temps mort Lorient. C'est le troisième temps mort de Lorient qui n'en aura pas, tandis que Pierre n'en a pas pris un seul. Il aura le temps donc d'ajuster ses tactiques sur les dernières 1000 secondes. Un animateur speaker assez particulier. Un peu la serre pour les arbitres. Neuf points, ce match ne doit pas nous échapper, c'est pas possible. Lorient qui n'a toujours qu'une faute collective, tour 4, ça pourra peut-être poser problème à Lorient. Ils doivent arrêter le chrono et nous mettre sur la ligne de lancer. Interception de Fabien sur la remise. Ouh, quelle est importante celle-là. 63-74. Elle a fait taire toute la salle. Et peut-être bien les espoirs lorientais. Bigot qui renverse pour l'Américain Brown. Qui va shooter. Lui qui avait mis 32 points à l'aller. Le rebond. Offensif. L'arbitre désigne. La balle pour les lorientais. Ce soir... il est un peu moins en feu et on va pas s'en plaindre. 14 secondes. Ça coupe à l'intérieur. On ressort. Bravo Julien. Interception. Hop. Il est gentil l'arbitre. Il est gentil parce que je vois pas où Julien était dehors. Vous allez me dire sous Torangeau. Et très chauvin avec mon équipe. Allez, Baba Samaké, Argenton qui rentre à la place de Samaké. On ne fait pas rejouer pour Shaw. Peut-être qu'il ne peut plus jouer parce qu'il était un peu blessé avant le match. D'Argenton qui rentre à l'intérieur, bien gêné par Julien. Rebond défensif. 1 minute 20. Ça sent bon. Diante qui pénètre à l'intérieur, qui trouve le panier. 2 points, Diante. 63-76, ce qui annonce également peut-être qu'on va reprendre le point average sur Lorient. Ce serait vraiment la belle opération de la soirée. Bruno qui n'arrive pas à stopper l'Américain et qui fait faute. De lancer pour Brown. Non, ça a été les arbitres sur ce match. Vous me connaissez et non, je peux vous garantir que on n'a pas à se plaindre. 64-76, 12 points d'écart, 1 minute 14. Changement, Tyran rentre à la place de Bruno. 65-76, pression, forcément tout terrain. Au moins, je vous l'indique.